إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب دونك إن شاء الله Nous allons continuer dans notre explication du livre Heliyap Talibul-Ilm, Talibul-Ilm, Naham, La parure de l'étudiant. Donc, nous avions commencé en expliquant l'introduction. Dans les cours précédents, j'ai donc moi-même fait une introduction sur l'importance de ce livre. De l'étude de cet ouvrage. Ensuite, nous avons fait une introduction, plutôt traduit, expliqué l'introduction de l'auteur et l'introduction de Sheikh Al-Al-Thaimin. Et maintenant, nous allons entrer dans le premier chapitre. Donc, avant d'entrer dans le premier chapitre, c'est-à-dire dans le vif du sujet, dans le livre, J'aurais juste une précision à noter inshallah à mentionner. C'est que ce qui m'a poussé ce qui m'a poussé à à ouvrir ce livre, cet épître, ce livre. Il y a deux raisons les plus importantes parmi les raisons qui m'ont poussé à ouvrir ce livre. La première, c'est que nous sommes sujets en ce moment à des troubles. Et ces troubles sont en, partus, en partie dus au manque de connaissances et de pratique de cet ouvrage, de ce qui est contenu dans cet ouvrage et dans d'autres ouvrages. Mais. Le sujet de cet ouvrage. Naham. Ça c'est la première raison. Naham, on a donc un manque en ce qui concerne le sujet, le contenu de cet ouvrage. On a un gros manque et c'est ce qui fait que l'on tombe, que l'on tombe dans certains troubles fitan. La deuxième chose donc, comme je l'avais mentionné dans mon introduction. c'est qu'au fil du temps, par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec les gens, j'ai constaté qu'ils étaient, qu'on qu avait énormément, énormément, en priorité, besoin de ce contenu. Ce contenu est ou bien inconnu, donc on ne peut pas pratiquer ce qu'on ne connaît pas, ou bien pour la majorité, il est inconnu. Donc, il devient une priorité de le connaître. Ou alors, il est connu mais non mis en pratique. Et ça aussi, ça se produit. Et ça aussi, ça se produit. Car on ne serait pas tombé dans les troubles actuels en pratiquant, en étudiant ce contenu et en le pratiquant. Naham. Celui qui obéit à Allah et son messager ne se divise pas, si vous voulez le dalil. Et cramponnez-vous au câble d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Donc voilà, c'était une petite précision avant de commencer. Une troisième précision qui n'est pas... Une troisième faïda qui n'est pas... Yannis, ce n'est pas prioritaire de le mentionner, mais quand on va faire ce livre, c'est bien de le savoir pour parer aux ambiguïtés. Pour parer aux ambiguïtés. La troisième chose que je voudrais mentionner à propos de ce livre, c'est de ne pas faire attention, de ne pas porter attention ni de tenir compte à ceux qui pourraient remettre le contenu de ce livre en cause du fait qu'il y a eu certains. Certaines paroles à propos de l'auteur. Al-Allama, le grand savant, Sheikh Bak Abu Zayd Naam. Et mon Dalil, dalil Naam, la preuve à cela, c'est que si le livre n'était pas recommandable ou autre, quel que soit quelles que soient les formules qu'on utilise, Sheikh al rutaymin ou bien Shi'kh Abdelazak al al-Badr ou d'autres n'auraient pas fait l'explication de ce livre. Naham. Alors, même si on dit oui, mais ça s'est produit après, eh bien, ça s'est produit après, mais en ce qui concerne le livre, ça s'est produit avant. Ce qui s'est produit avant reste euh, le contenu de Al-Sunnati wal-Jama'a dont les grands savants ont fait l'éloge. Donc, par la suite, on n'a pas à toucher à ce contenu. Naham. Chose à savoir. Naham. Donc, nous allons commencer par la parole de l'auteur, Sheikh Bakrabou Zayd, chapitre numéro 1. Le comportement de l'étudiant envers lui-même. Le savoir est une adoration. La base de tous les principes de cette parure La base de tous les principes de cette parure aussi bien que la base de toute action requise est que tu saches que le savoir est une adoration. Un savant a dit, certains savants ont dit, certains savants ont dit, le savoir est une prière secrète et l'adoration du cœur. Le savoir est une prière secrète et l'adoration du cœur. Ainsi, la condition de l'adoration est la sincérité de l'intention pour Allah. Allah Ta'ala. Car il dit, Allah Ta'ala, dans le Qur'an, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ «Tayyib». Donc, saisis, lance la plus solide, qui protège les intentions de ces calamités, autrement dit Efforce toi d'être sincère, crains tout ce qui annule la sincérité de ton intention. Reconnais ta grande pauvreté devant Allah et cherche refuge auprès de lui, qu'il soit glorifié et purifié. Nahum. On rapporte également la parole de Sofian ibn Said, Je n'ai pas traité quelque chose donc, quelque chose de plus difficile que mon intention. Pour vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Hein. Ainsi que la parole de Omar ibn, Dharr, qui a dit à propos, qui a dit à son propre père Oh mon père, comment se fait-il que lorsque tu exhortes les gens ils se mettent à pleurer alors que si quelqu'un d'autre que toi les exhorte, ils ne pleurent pas il répondit ô oh, mon fils la femme qui pleure parce qu'elle a perdu son enfant n'est pas comme celle qui loue qu'on loue n'est pas comme celle qu'on loue c'est-à-dire qui est payée pour pleurer qu'Allah t'accorde le succès en te guidant sur la voie de la rectitude Naham. Alors, nous allons donner l'aperçu de Sheikh. Sheikh Shaykh al Le Sheikh nous dit: il n'y a aucun doute que la science est une, l'apprentissage est une adoration. Et d'ailleurs, elle est parmi les meilleures et les plus durables des adorations. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une partie, hein, elle fait partie de la, c'est une partie intégrante, c'est une partie du djihad Fisabillah, du combat avec les armes, plutôt pardon, du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, le combat armé. الجهاد نعم، فقال جل وعلا: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إِذَا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون". nous dit الله تعالى Dans le Qur'an, surat Al-Tawbah, verset 122. Surat Al-Tawbah, verset 122, Allah Ta'ala nous dit « Les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion Pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'il soit sur leur garde. »

à qui Allah veut du bien, Allah l'instruit dans la religion, c'est-à-dire il lui fait comprendre la religion rapportée par Bukhari wa Muslim. Bukhari numéro 17, Muslim numéro 1037. Naham. Sheikh al-Ithamin nous dit. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme subsistance la compréhension dans la religion, l'instruction, l'ilm, la compréhension dans la religion Donc je fais une parenthèse La subsistance se divise en plusieurs catégories Ne pas croire que la subsistance s'arrête à la nourriture, la boisson, etc. et l'argent La foi est une subsistance la science est une subsistance. Naham. Donc Shikh al nous dit, lorsque Allah t'a donné comme subsistance, naham la compréhension, la, euh, la science de la législation, alors la compréhension de la religion, la science de la législation entre dans cela, entre dans cela, il y est compris dans cette connaissance de la législation. La science du dogme et de la croyance, la science de l'unicité du tawhid, etc. Lorsque tu vois qu'Allah Ta'ala t'a a donné à toi cela, alors sache que c'est une, une bonne nouvelle. Sache que c'est une, une bonne nouvelle, parce qu'Allah Ta'ala a voulu pour toi le bien. Et l'imam Ahmed a dit. La science, rien ne l'égale pour celui dont la nia est authentique. Il a la bonne intention. Puis ils ont dit à l'imam Ahmed :« Comment authentifier notre, notre intention ?» Oh, Aba Abdillah ya Aba Abdillah. Il a répondu :« Il faut avoir l'intention. » De retirer l'ignorance en toi-même Et ensuite de la retirer aux autres Alors je fais une parenthèse Ça c'est très important Vous avez ici de la part de Sheikh al La définition du talib al Apprenez-la par cœur Parce que si un jour quelqu'un vous dit C'est quoi la définition du talib C'est quoi le Tarlab ilm et eh bien vous lui répondez ça. La définition du ta Al-Im, c'est quoi C'est retirer Rafa al waan C'est le fait de retirer l'ignorance à soi-même. C'est <coughs> le fait de retirer l'ignorance à soi-même. Puis de la retirer aux autres. Ça, c'est la définition. Naham. De la recherche de la science du talib al ilm Naham. Alors, ensuite, le Sheikh, Sheikh Al-Uthaymin, continue l'explication de ce que nous avons mentionné de l'auteur précédemment, toujours en nous apportant des, fa des fawaïdes aussi importantes les unes que les autres, il nous dit Également, lorsqu'il est dit, lorsqu'on te dit, lorsqu'il est dit, comment se fait la sincérité dans le... Comment peut-on être sincère dans la recherche de la science Point d'interrogation. Shir al -e dit, nous disons, la sincérité dans la recherche de la science se fait par des choses. Et le Shir va en mentionner quatre. Elle se fait par des choses. Le Chir va en mentionner quatre. La première chose, la première chose, c'est qu'il faut avoir l'intention de se conformer aux ordres d'Allah. Pour être sincère dans le temps al ilm, il faut avoir l'intention de se conformer aux ordres d'Allah Ta'ala. parce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné cela, a ordonné cela lorsqu'Il a dit dans le Coran. Sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah et demande pardon pour tes péchés. Allah a enjoint fortement à la connaissance, à la science. Il a insisté sur la connaissance. Il a insisté sur une chose qui apporte, qui nécessite son amour et son agrément par celle-ci. Naham. Ça c'est la première chose. La sincérité envers Allah, c'est quoi Pour avoir la sincérité envers Allah dans le talib ilm il faut avoir l'intention de se conformer aux ordres d'Allah ou Ta'ala parce qu'Allah ou Ta'ala en a ordonné à ordonné cela. Et sache dans le Coran, surat Mohammed, verset 19, sache qu'il n'y a de divinité à part Allah. Allah ou Ta'ala a fait précéder la connaissance avant la parole et l'action dans ce verset. Nam Deuxième chose, on a dit qu'il y avait quatre choses. Hein, quatre choses qui concernaient la sincérité dans le talibul -il, il y a deuxième. Alors la deuxième chose, c'est d'avoir l'intention de préserver la législation d'Allah. Lorsque l'on recherche la science, il faut avoir l'intention de préserver la législation d'Allah au parce que préserver la législation d'Allah au se fait par l'apprentissage, se fait par la connaissance naham. Elle se fait en ayant la science en soi-même et elle se fait également par les écrits, les livres etc. C'est comme ça que l'on préserve la législation d'Allah. La troisième chose mentionnée par Sheikh al-Uthaymin ici, en ce qui concerne la sincérité dans le talibou l'ilm, c'est d'avoir l'intention de protéger la législation et de la défendre. Car s'il n'y avait pas les savants, nous dit Sheikh al-Uthaymin, pour, pour protéger la législation, et pour la défendre, il n'y aurait personne. c'est pour cela que nous trouvons chez al islam une Tamia rahimahullah et d'autres parmi les gens de science. ils ont fait barrage. ils ont fait barrage aux gens de l'innovation. ils ont éclairci leurs faussetés, leurs innovations. et l'on voit, et l'on voit Qu'ils ont apporté un grand bien à la communauté. Alors ça c'est la troisième chose. La défense, l'intention de défendre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la protéger. Quatrième chose en ce qui concerne la sincérité dans le talib ilm C'est d'avoir l'intention pour cela de suivre la législation de Mohammed car il n'était pas, pas possible de suivre la législation du prophète Aïssaatu Salam, sans en prendre connaissance. Cheikh al-Thamin nous dit ces quatre choses mentionnées. Tout cela est compris dans la parole. Il est obligatoire d'avoir la, sincé la sincérité envers, envers Allah dans la recherche de la science. Dans la recherche de la science. Alors, le Sheikh Sheikh al rahim Allah continue toujours en ce qui concerne la sincérité. La première chose ici que le Sheikh Sheikh Bakr Abu Zayd a mentionné. Dans euh, le premier chapitre, la sincérité, la niya cela est primordial, très important. C'est la première condition d'acceptation des œuvres. Donc, la science ne sera acceptée qu'à condition qu'elle soit vouée exclusivement à Allah, subhanahu wa taala. La sincérité, envers Allah, subhanahu wa taala, l'intention pure. À ce propos, Shikh al Thamine nous dit Oui, et cela est vrai, cela est authentique. Lorsqu'il dit l'auteur qu'il est obligatoire de protéger ça, son intention de tout ce qui est, de tout ce qui a un mauvais but. Cela est vrai, nous dit Shira al c'est authentique. Celui qui recherche la science, il lui faut absolument qu'il le fasse pour le visage d'Allah. Il ne le fait pas en recherchant quoi que ce chose, il ne le fait pas en recherchant quoi que ce soit de cette vie mondaine. Sinon, il ne goûtera pas, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Cheikh al nous <repris> dit nass <Naham>. Allah al Ensuite, thumma inna hadhi al-Muhamm Puis ensuite. Cette... Euh, comme nous dit le shir, ces louanges, ces... Naham, ces louanges, ces éloges, le haut rang, Naham, les, les, les louanges, les éloges, le haut rang, la vénération, tout ce qui... Tout ce qui détourne la personne, tout ce qui détourne la personne, tu le trouveras lorsque tu rechercheras la science. Et regardez et prêtez attention à ce que dit al ethymine Même si ton intention est pure et saine, même si tu as une intention qui est saine, tu seras encore plus proche a plus forte raison d'être atteint par ces choses-là. Les éloges, les louanges, euh, la vénération, etc. Alors attention à ces mauvaises caractéristiques. Naham. Ensuite, l'auteur nous dit, alors, juste une précision par rapport à ce qu'on a dit avant, précédemment. On rapporte également la parole de Sophia ibn Sa'id al « euh, Je n'ai pas traité quelque chose de plus difficile que mon intention. Et ensuite, on a dit ainsi que la parole de Omar ibn Zahar, qui a dit à son père Oh mon père, comment se fait-il que lorsque tu, es, tu exhortes les gens, ils se mettent à pleurer Alors que ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Naham. Autrefois, les gens payaient des femmes pour pleurer lors des afflictions. Omar veut faire comprendre, veut faire comprendre à son fils que lorsqu'il exhorte les gens, il est sincère. Tout comme la femme qui pleure à cause de la mort de son enfant est vraiment triste. Ainsi, toute personne qui entend ces femmes pleurer sera triste à son tour. En revanche, les femmes dont la profession est de pleurer pour l'argent ne sont pas sincères. Et leurs pleurs ne touchent pas. les cœurs, comme c'est le cas pour le prédicateur qui n'est pas sincère. Donc, je pense que c'est clair pour la gravité de cela. Je pense que c'est clair. Je vais juste rajouter un propos que j'ai entendu de il me semble Allahu alim que c'était que c'était Cheikh Abdurrazzaq al badr je sais plus, j'ai entendu ça d'un grand savant qui disait qui disait que Omar avait répondu Ibnuzar avait répondu que penses-tu de quelqu'un que lorsqu'il exhorte les gens, il les exhorte avec son cœur. Et les paroles venant du cœur touchent les cœurs. Les paroles qui viennent du cœur, elles touchent les cœurs. Mais les paroles qui ne dépassent pas la langue, alors elles ne touchent pas les gens. Non. Ensuite, La parole, toujours de l'auteur. L'attribut tribu qui réunit le bien de ce bas monde et de l'au-delà, l'amour d'Allah et de son prophète, paix et salutation d'Allah sur lui. Sa réalisation n'est possible que par un suivi absolu et la poursuite des traces de l'infaillible. Allah nous dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le Coran et la Sunna. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. En un mot, ceci est considéré comme la base de cette parure, et occupe la place de la couronne par rapport aux vêtements. Ainsi, chers étudiants, vous vous êtes bel et bien préparés et assis pour les études, et vous vous êtes liés d'attachement à la plus précieuse des choses de valeur, la recherche de la science religieuse. Je vous enjoins donc, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah Ta'ala en secret et en public, car... La crainte d'Allah terre est le commencement, la source de toutes les vertus, et elle recueille toutes les éloges. Et elle est également source de force. Naham. Alors, source de force, l'apogée de la grandeur est un rempart. L'apogée de la grandeur est un rempart inébranlable qui protège les cœurs contre les tentatives. Tentations, hein, ne les négligez pas. Sheikh Al-Uthamine nous dit. Alors le Cheikh nous dit Sheikh Al-Uthamine explique ici la parole de Sofiane. Sophia à a qui a dit, Il m'a été donné la compréhension du Qur'an, mais dès l'instant où j'ai accepté les dons du sultan, on me l'a reprise. Donc, Donc, nous avons mentionné précédemment que lorsque la personne va emprunter le chemin du ta'li l'ilm, il va y avoir des embûches qui vont essayer de toucher, de d'entacher sa sincérité. Naham. Et ça, on sait d'où ça vient, ça vient du Shaïtan. Et ici, nous avons une parole de l'auteur, ou Sheikh al parole de Sofiane, rapportée par l'auteur, où Sheikh al nous dit à propos de cette parole, il m'a été donné la compréhension du Coran, mais dès l'instant où j'ai accepté les dons du Sultan, on me l'a reprise. Cheikh al nous dit, c'est-à-dire le sultan, le gouverneur, lorsqu'il lui donnait des choses, naham, il perdait là la, la compréhension du du Qur'an. C'est pour cela que les salefs, les pieux prédécesseurs, n'acceptaient pas les dons, les dons, parce que les dons du sultan, Naram, du gouverneur parce que il disait qu'il leur donnait pour acheter leur religion, pour acheter leur vie d'ici-bas et leur religion. Alors, il ne les acceptait pas nous dit Cheikh le nous dit, il est connu qu'il n'est pas permis pour le savant d'accepter les cadeaux du, du gouverneur du sultan. Naham. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar. Naham. Le prophète avait dit à Omar, à ce sujet, ce qui t'est parvenu comme argent, de cet argent, alors que tu n'es pas connu, alors que tu n'es pas connu, parce que ce n'est pas pareil quand on est connu et qu'on reçoit de l'argent, et quand on n'est pas connu, et que tu n'as pas demandé l'argent que tu n'as pas demandé, prends-la. Sinon, sinon, ne suis pas ton âme, ton ips. Naham. Donc, ça, c'est un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et dans le Sahih al muslim également. Alors, Sofiane, rahimahullah, à propos, Sofiane al à propos euh, de dire il m'a été donné la, la compréhension du Coran. » Naham. Et ensuite. Elle me fut euh, euh, repris, Naham. Alors, en ce qui concerne Sofiane, Sheikh al Allah, nous dit, lorsqu'il a dit Il m'a été donné la compréhension du Quran, mais dès l'instant où j'ai accepté les dons du sultan, on me l'a reprise. On dit qu'il s'est vraiment éloigné après détourné de cela. Euh, il a pris ses gardes hein, par rapport à ça. Il en a pleuré. Son âme en a beaucoup pleuré. Naham. Naham. Alors ensuite, Cheikh al toujours en, en ce qui concerne la sincérité de ce qu'a rapporté l'auteur, il nous dit qu'il est impératif de suivre les traces des salafs en ce qui concerne les remèdes pour la sincérité, euh, pour, pour l'âme, les, pour les remèdes de l'âme en ce qui concerne la sincérité. Il nous dit qu'il faut suivre les salafs, Pourquoi? Une question se pose aujourd'hui, par rapport à ce qu'a mentionné l'auteur, nous dit Sheikh al Thaïmin c'est que la sincérité, l'intention sincère à notre époque présente est difficile ou peut-être voire impossible. Regardez ce que nous dit al Taïmin. Il nous dit parce que ceux qui recherchent la science, surtout la recherche programmée, organisée, hein, ils recherchent la science pour avoir des diplômes. Il recherche la science juste pour l'acquisition des, di des diplômes. Regardez ce que dit Shikhal al ethymine Nous disons, si tu recherches la, la, la science pour acquérir un diplôme, et par ce diplôme atteindre, acquérir, recevoir quelque chose de la vie mondaine, alors ton attention est pervertie, mauvaise, corrompue. Mais si tu veux recevoir un diplôme pour être utile auprès des gens, parce que tu sais qu'aujourd'hui on ne peut on ne peut atteindre le haut niveau dans la communauté qu'en ayant des diplômes. Mais bien entendu, en ayant cette intention sincère. Alors, à partir de ce moment-là, Shira Le Thaimin, il nous dit là, la personne n'a pas contredit la sincérité. Si euh, elle recherche un diplôme, mais c'est pour la recherche de la science, pour ensuite pouvoir être utile, parce que, et c'est ce qui fait toute la différence, parce que aujourd'hui, pour atteindre un certain niveau, on est obligé de passer par les diplômes. Mais si la personne, là, ça touche pas la sincérité, l'intention. Mais si la personne étudie, recherche le diplôme dans l'intention d'acquérir quelque chose de cette vie mondaine, alors là, son intention est corrompue. Son intention sera corrompue. Naham. Shir Al-Ulaythamin nous dit aujourd'hui, « Si lakin euh, shahada Une personne aujourd'hui qui n'a pas de diplôme, elle peut pas atteindre certaines euh, certaines réalités. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas entrer dans certaines institutions, nous dit le Shir par exemple, si une personne veut aller à l'université, elle sera prise si elle a les diplômes. n'aham. mais attention, Shira al famine nous dit, cela est en fonction, cela est en fonction de, de l'intention. n'aham. cela sera donc en fonction de l'intention. n'aham. Inch'Allah, nous allons conclure ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'intention, la sincérité, hein, la sincérité dans les œuvres est la condition, une des conditions de l'acceptation des œuvres. Mais il faut savoir que là, on a parlé du ta'alibu ilm, de la recherche de la science, mais que la sincérité, c'est une condition pour toutes les actions, pour toutes les œuvres. Pour toutes les adorations, il faut la sincérité. Sinon, l'œuvre n'est pas acceptée. C'est pas que dans le Ilm. Hein, ici, parce qu'on est dans la recherche de la science, c'est notre sujet, mais sinon, c'est valable pour toutes les adorations. Si on n'a pas la sincérité, là, euh, pour Allah, exclusivement pour Allah, de faire cette adoration, alors elle ne sera pas valide. Naham.